vous allez bien. On se retrouve pour la troisième et dernière recette que je vais partager donc pour cette fête de l'Eid al-Fitr 2020. Donc, n'hésitez pas à aller voir les deux premières vidéos que j'ai filmées. Je vous mettrai les liens en barre d'informations. On va faire des cornes de gazelle. C'est la première fois que je fais des cornes de gazelle. Je vous mets les ingrédients en barre d'informations et on va commencer sans plus tarder. Donc, on va mélanger la farine. J'ai mon sel, ma petite pincée de sel que je vais venir mettre. On aura besoin d'amandes émondées. Donc pendant que je prépare la pâte, j'ai déjà trempé mes amandes dans de l'eau bouillante. Je vais venir ici prendre mon beurre qui est ramolli pour l'incorporer à la farine. Du coup, j'ai éteint la clim. Hein. Vous savez qu'à Singapour, il fait super chaud. Mais pour le coup, j'ai éteint la clim pour que ce soit beaucoup plus simple à travailler. On va venir casser. Je vais venir casser mon œuf à l'intérieur. Voilà, et je commence tout doucement à travailler. J'ai ici ma fleur d'oranger. Hop. Et alors, j'ai l'eau que j'ai pesée pour vous, d'ailleurs. Il y a environ 6 cuillères à soupe, il me semble. Il y a 40 grammes. Donc, ce que je vais faire pour l'eau, c'est que je ne vais pas tout mettre. Je vais vraiment y aller tout doucement. Je mélange ma pâte. Et ensuite, j'ajoute au fur et à mesure. Pâte qui est bien souple. On va venir la mettre dans un plastique. Et on va la laisser sur le côté. Voilà, en attendant. J'ai bien laissé reposer ma pâte pendant ce temps-là. Mes amandes sont émondées, on va mixer les amandes avec du beurre fondu, toutes les quantités sont en barre d'information, du sucre, on a également de la cannelle, une cuillère à café, ici de l'eau de fleur d'oranger. Donc je vais mixer le tout ici pour obtenir une pâte et ensuite on se retrouve. Et voilà, nos cornes de gazelle sont prêtes. Donc je les ai laissées cuire environ 10-12 minutes au four à 170 degrés. J'ai saupoudré de sucre glace. Il me reste de la farce et vous allez voir qu'on va réaliser de super bons gâteaux avec cette farce. On aura besoin de feuilles de brique et de la farce tout simplement. On arrive à la fin de cette recette. Il me reste à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une excellente fête de l'Eid.